Initiating system 1. System 1 loaded. Et Ohio, c'est Gunjo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4 pour continuer mon aventure. Donc c'est parti. Hop là, un Nicolas. Franchement, c'est bon, j'en ai pas mal sur moi. Donc là, comme vous avez vu dans l'autre épisode, on va dire, avant celui-ci, j'ai vraiment commencé à attaquer leur fort là, enfin leur forge plutôt. Donc j'espère qu'à l'intérieur il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi. Bon, après, je prends pas toutes les armes. Peut-être celle-là, je passerai. Je crois que je vais passer. Je vais lui passer. Je peux la vendre assez cher, je sais pas. Super masse, ça c'est si bon. Du sale, ouais. Ok. On va voir le petit terminal. Vêtements lavés. Ah bon. Qu'est-ce qu'ils ont caché là? Je pense que ce truc servait de poubelle. Ah bon? Il servait de poubelle, hein. Ok. Crabillon de lance-flamme. Des capsules. Ok. Donc, c'est parti, on va rentrer dans leur bouillie, on va dire. Enfin, dans leur bordel. Donc, c'est parti. C'est par là l'entrée. Ok, c'est bien. Allons-y, on va rentrer dans cette chose. Allez. On va les défoncer. Ok. Donc là, on est là. Ok, louche. Ok, cigarette. Psst, montrez le chemin. Montrez le chemin. C'est les armes. Lance-la. Ça, je te les passe. Super, je peux pas. Pistolet 2. T'as déjà plus de munitions, toi? T'en passer un peu. Lui. Ok. Crame tes mecs. Avec ça, j'ai pas de munitions. Moi, je trouve une arme. Qu'est-ce que c'est là?
ça m'en fait un peu, je crois. Récupérer de l'antiseptique, je sais pas quoi là. Il y a quelque chose qui fonctionne. Pas de question. Non merci. J'ai l'impression d'entendre des pas tout le temps. C'est quoi ce bordel? Ça? Je sais pas. Teinte. Vous m'avez fait flipper pour rien. Allez, on va réveiller ce petit robot là. J'y suis. Voilà, Wood. Ouais. Activation. Petit pour chien. Qui est là? Le jet, ça rend un peu nerveux qu'elle disait. Un peu. Le mec, il saute comme ça en mode what the fuck. Je récupère les grenades. Super la déco ici. On va s'éclater! Rien de personnel, hein? C'est juste. Ouais. Ta gueule! Ok.
capsule, c'est capsule. Allez, tu peux me monter. Allez. Ok. Ok, bon d'accord. On va passer par là. Bah, je passe de nouveau. Ok, maintenant le robot m'attaque. Sérieux. Sérieux. Sérieux, la paper elle a tombé dans le vide en mode what the fuck, je tombe. Attrape-moi si tu peux. Ouais, ça a pété. Elle est passée où? J'y arrive pas, il faut que j'aille la chercher, elle est où? Sérieux? Sérieux? Ah ben voilà. Ok.
Ok. Ok, ça ramène là, ok d'accord. Ok. Ça ramène ici, ok. Ah oui, tout là. Voilà, on y va. Essaye de filer, tue-le. Tu dois être balèze pour avoir réussi à venir jusqu'ici. Ah, oh, c'était vos gars, ça? Je croyais qu'on m'invitait à un barbecue. Ah, tu me plais, toi. Ça fait un bail que j'ai pas rencontré quelqu'un qui a les tripes de me parler comme ça. Tu vois, Jake? Ça, c'est quelqu'un qui me fait pas perdre mon temps. Pas comme toi. Ils vont me tuer. Mais je vous ai apporté tout ce que vous m'avez demandé. Voler des bibelots dans la ferme de ses parents, ça prouve pas grand-chose, gamin. Encore que... la jolie épée que tu m'as rapportée te donne droit à une dernière chance de prouver ce que tu vaux. Tue-moi ce prisonnier, histoire de montrer que t'es pas totalement inutile. Vous avez dit qu'on attaquerait de l'autre côté de la frontière. Ces gens-là, ils sont pas dangereux. Prouve-moi que t'es capable de tuer. C'est lui ou toi. Eh merde. Qu'est-ce que je dois faire? Et ta famille, tu y as pensé? Je vous en prie, laissez-moi partir. Alors, je croyais qu'il me détestait. Décide quoi? C'est lui qui vous envoie me chercher? Ouais. Il est plus têtu qu'une mule, mais... je crois qu'il voulait que je te ramène. Vous avez raison. Je veux pas faire partie de la forge. Je veux juste rentrer chez moi. Peut-être que si on croise les doigts, il tombera tout seul dans un de ces trucs. J'y vois plus rien! Essaye de filer, tue-le. Tu dois être balèze pour avoir réussi à venir juste... Ouais. Ah, oh, c'était vos gars? Ah, non, tu me plais, toi. J'entends, tu vois, Jake? Ils vont me tuer. Voler des bibelots dans la ferme de ses parents, ça... Encore que... ouais. La jolie épée... Allez. Tue-moi ce prisonnier. Passe. Vous avez dit qu'on... Prouve-moi que t'es capable de tuer. C'est lui ou toi. Eh merde. Et ta famille, tu y as pensé? Je vous en prie, laissez-moi partir. Alors, je croyais qu'il me détestait. Décide quoi? Ouais. Il est plus têtu qu'une mule, mais... je crois qu'il voulait que je te ramène. Vous avez raison. Ok. Je veux pas faire partie de... bon, là, on va faire mode... pour enculer, on va équiper ça. La forge. Et si je défonce lui en premier? Ce qui s'appelle tirer. Pourquoi je suis allé dessus? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Droit. Prends les. Quoi que ça foutre. Allez, tu meurs. Allez.
On a pas marre. Tiens, mange. Hein? Merde! Je tire sur le Piper, je suis con! Eh! Vas-y, sérieux? Échauffé! Faut pas venir nous emmerder! Voilà! Ouais! Salut. Attendez, je suis désolé, j'ai merdé, j'ai paniqué. Qu'est-ce que tu fabriquais avec ces types? Je croyais qu'on ferait des raids en dehors du Commonwealth, que ça me permettrait d'aider ma famille. Je sais pas. Oh, c'est mon père qui a raison. Je suis qu'un crétin. Écoutez, je devrais sans doute rentrer chez moi pour m'excuser. C'est sûrement beaucoup demandé, mais... si vous êtes là quand il faudra que je m'explique, ça facilitera les choses avec mon père. Je parie que si vous lui rapportez l'épée de mon arrière-grand-père, il vous donnera une récompense. Il est toujours honnête avec les gens. Je vous attends au pont, près de la ferme. Ok. It's good. Ça veut pour moi. On va voir qu'est-ce qui est caché derrière, on passe jamais. C'est bon. Ah ben voilà. Minable, ok. Cool. On va essayer de tomber dans le vide. Alors j'ai gagné un niveau. Il faudra je pense à le mettre. Un stock ni rien. Jouer Nico. Ok. Il y a juste la forge en fait avec monsieur. Ah si, là, là. Mais qu'est-ce que tu fous t'es là-haut, toi? Hé hey. Allez-y, parlez. Servez-vous.
cet endroit bizarroïde. Je peux trouver un livre, dommage, j'aurais pensé à trouver un truc, mais bon. Voilà ce que j'ai loupé un truc. Donc si vous avez vu que j'ai loupé un truc, mettez-le en commentaire, ça pourrait m'aider. Merci. Ok, voilà. Voilà, on sort de cette chose. Enfin, nous voilà dehors. Ok, d'accord, je suis sur le toit. Ça, ça range bien, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je suis sur le toit, il devrait y avoir un truc intéressant, peut-être. Ok. Je peux pas le s'activer. Ok. En fait, il y a que dalle. C'est trop couillon. Ouais. J'espère que les munitions sont plus importantes. Ok, mais en fait il y a que dalle. Headshot, motherfucker. Ok, je sais que j'ai gagné. Oula. What? Ah, je veux pas te chercher à l'intérieur, moi. Dans la cube de fonte d'acier, t'sais. Ok, d'accord. What? Pourquoi? Why? J'ai pas envie de faire normal en fait. Moi je passe par mode what the fuck. Le mec il saute en vie. Ok. Il faut aller où déjà? Donner. Alors. La carte, ok. Je vais voir Jacques. Jack. Okay. En tout cas, je crois que je dois aller tout droit par là. Okay. Je dois aller derrière l'usine. C'est parti. J'avais oublié que j'avais ce flingue. Il y a une mission. Ok, bon, je me ramène. Bon, quand faut y aller. Faut y aller. Qu'est-ce que. Jack, je t'avais prévenu que si tu remettais les pieds ici, je. Jack est revenu ? Hein ? Jack est revenu ? Ah, ça me soulage.
Arrête. Je sais que j'ai merdé. Croyez pouvoir les empêcher de s'en prendre à notre ferme si je me joignais à eux. Je voulais faire de mal à personne. Je me fous de ce que tu croyais. Je t'ai dit et redit. Abraham, Francis Finch, ça suffit. Maman, je... Tais-toi, Jake. Si j'en entends encore un dire quoi que ce soit, je vous mets de corvée de patates pour toute l'année prochaine. Ça fait des années que j'assiste à vos prises de bec et que j'essaie d'arrondir les angles à votre place. Abraham, ton fils est un homme. Et si tu veux qu'il agisse en homme, arrête de le traiter comme un enfant. Jake, ton père et moi, on sait à quel point la vie peut être dangereuse dehors. On veut être sûr que tu es prêt, c'est tout. Voilà. Maintenant, si l'un de vous remet ça sur le tapis, ça va barder, je vous préviens. Elle a raison. Monsieur Finch ? Elle a raison, j'ai été stupide. Je ne vous remercierai jamais assez. Tenez, voilà pour votre aide. Vous devriez garder cette épée. Ça aurait fait plaisir à mon grand-père de savoir qu'elle sert encore à sauver des vies. Merci. Donc voilà, assez sympathique. Merci, merci, merci. Poisson de Cravé a aimé. Mais il est pas là ! Ok. Ok, d'accord. Salut. Encore merci de m'avoir tiré de là. De rien. Bon, ben voilà. Je me suis fait à manger. J'avais la dalle. J'avais la dalle. What? Cheese bug. En terre, ok. C'est bien qu'il semblait en fait, ça augmente. Ça donne des PV et ça donne. Ça donne en fait. Tout pour se déplacer, pour marcher. On va dire voilà quoi. Donc voilà, je suis à 375, bon ça va. Je trouverais peut-être un magasin sur le chemin. Donc là, ben, c'est parti, je me remets en route vers le musée de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il est voilà tout au fond là-bas. Donc c'est parti, hein, allons-y. Encore de l'eau, ah oui. Rentre dans l'eau comme ça, mais what the fuck. Ok. Bon, là-bas, c'est le machin. Ça sent le pêche. Je pense que j'irai un peu plus tard, je pense. Laissez-moi réfléchir, je reviens tout de suite. J'ai réfléchi en fait, je vais aller pour le prochain épisode dedans, donc je vous dis à plus tard, c'était Guincho. Bye bye.